C'est quand j'ai commencé à parler ouvertement que j'ai commencé à accepter ma voix. Ma mère avait remarqué que je ne souriais pas comme ma grande sœur à la naissance, que j'avais des difficultés à respirer, que je creusais au niveau de la poitrine parce que je forçais à respirer. Les médecins, au bout de 2 semaines, se sont décidés à entamer des démarches pour faire des examens. Il s'est avéré qu'ils comprenaient pas ce que j'avais. Du coup, ils m'ont renvoyé dans un autre hôpital. C'est seulement dans cet hôpital qu'ils ont réussi à comprendre que j'avais une malformation de la trachée et que la seule solution, c'était de me mettre une trachéotomie. C'est un tube qu'on met dans la gorge et qui traverse la trachée. Et en fait, c'est quand les voies respiratoires supérieures sont trop étroites ou ne fonctionnent pas, il faut créer une voie au niveau de la gorge pour que tu puisses respirer. Je pourrais pas compter le nombre d'opérations que j'ai eues, surtout qu'il y avait des opérations plus ou moins importantes. Aussi beaucoup de contrôles, tous les 6 mois, ça dépendait. Donc ça a fait beaucoup d'allers-retours à l'hôpital. J'ai eu certaines complications suite à des opérations. Quand j'étais très petite, on a dû me faire un don de sang, car j'ai fait une hémorragie sur la table d'opération. Chaque échec était une déception de plus. Surtout les moments où on a essayé de me décanuler, de m'enlever ma trachéotomie, où j'ai réussi à ne plus avoir trachéotomie pendant 1 semaine, mais qu'une semaine plus tard, on a dû me remettre le tube. Ça a été très compliqué, surtout pour ma famille. Une fois j'étais à l'hôpital, en me réveillant, je vois que ma voix était cassée. Et dès qu'un médecin est rentré dans ma chambre, je lui ai demandé est-ce que ma voix reviendra à la normale, en tout cas est-ce qu'elle reviendra comme avant. Et étonnamment, cette personne m'a fait une leçon de morale et m'a dit mademoiselle, c'est soit la voix, soit respirer, il faut faire un choix. Mais on n'a jamais perdu espoir, on a toujours continué à faire des opérations. Et c'est qu'au bout de 20 ans que mes capacités respiratoires étaient suffisantes pour pouvoir m'enlever le tube. J'ai toujours bien vécu ma scolarité qui a été plutôt normale. J'ai eu la chance que mes parents m'ont aussi beaucoup protégé des inquiétudes des professeurs ou des remarques déplacées des parents. J'ai su seulement récemment qu'un de mes professeurs ne voulait pas que j'aille à l'école et a empêché ma scolarisation car il pensait que j'allais faire peur aux enfants. Mes parents ne m'ont jamais révélé ça parce qu'ils ont toujours voulu que j'aie une vie normale. J'ai jamais ressenti de différence à l'école avec les autres enfants. J'ai toujours été très bien intégré. C'est seulement à partir du lycée où quand on grandit, on a plus de remarques et on les comprend surtout mieux. On m'a déjà dit « de toute façon t'as rien à dire avec ta voix qui est trop bizarre, qui est cassée, on veut pas t'entendre ». Avec accumulation, ça a pu me blesser, mais ça ne m'a jamais freiné pour vivre, pour sortir, pour me faire des nouvelles rencontres. Le plus dur vraiment, c'était quand on m'a enlevé le tube, parce que pour moi, j'étais vraiment associé à ce tube-là. C'est comme s'il fallait que je me reconstruise une nouvelle personnalité, alors que pas du tout, parce que c'est pas une trachéotomie qui te définit. En tout cas, jamais je pourrais me voir avec un cou qui n'a pas de cicatrice ou qui n'a pas de tube. Je compte pas faire du laser pour l'atténuer. Comme elle me va très bien. Avant, je n'aimais pas ma voix du tout. Je téléphonais très rarement en FaceTime. Pour la petite anecdote, c'est ma sœur qui avait ma messagerie sur mon téléphone, parce que vraiment, je ne pouvais pas m'entendre. Et c'est le jour où j'ai posté un TikTok où je parlais, ça m'a vraiment donné confiance en moi. Et ça m'a poussé à continuer à parler. En vidéo. Si vous avez une différence, ne vous en cachez pas, au contraire, en l'utilisant, vous allez vous habituer, vous allez peut-être commencer à l'aimer. C'est quand j'ai commencé à parler ouvertement que j'ai commencé à accepter ma voix. Donc vraiment, si je peux donner un conseil, c'est ne vous freinez pas à cause de votre différence, au contraire, pratiquez-la.